Tu sais, on peut tous, enfin, on fait tous des études en école, de, soit d'ingé, soit de business pour finir investisseur. Ok, il y a des compétences à avoir, enfin des hard skills en fait à avoir. Mais ce qui fait la différence entre un investisseur et un autre, c'est. Riz is never. لا لا سواحت من أنشط الفيسيز في المغرب. Calis Ventures باستثمارات كتراوح ما بين 50 مليون إلى 200 مليون مغربية. شابة في مقتبل العمر فارضة الحضور ديالها في عالم دوكوري عالم الاستثمارات في ستارت اب والهدف ديالها تشجيع المقاولات الإفريقية مني par un prof universitaire à Berkeley qui disait comme quoi un pays qui investit dans les start up peut faire jusqu'à x5 de son PIB. Bien évidemment, de l'entrepreneuriat à forte valeur ajoutée. Pas de l'entrepreneuriat dans la tech et à forte valeur ajoutée. Khalil et e-commerce. En fait, on s'est rendu compte que au Maroc, les business angels au moment où on est arrivé, n'étaient pas encore assez matures pour investir dans des startups, que souvent ils négociaient des termes qui n'étaient pas adaptés aux valorisations du marché. Par exemple, on était sur du 500 000 dirhams contre 50% de la boîte. C'est qu'une fois que j'investis dans une boîte, c'est l'entrepreneur et moi contre le reste du monde. Africa is the future. The future in Africa is pretty amazing. Africa really is the future. Pourquoi être parti en Afrique alors qu'il y a encore tout à construire, donc il y a rien? Qu'est-ce qui te pousse à faire cette réflexion? Et bien tout simplement... Épisode 5, non? Ça fait. Épisode... Bon, merci. 14 000. 14 000. Les Jackson 5. Parfait. Donc épisode 5, donc un autre épisode. Aujourd'hui, ça va être très différent et pour le coup, d'autant plus intéressant. Lium, on va s'intéresser... Investment in Morocco, investment in Africa, et on aura l'occasion d'avoir une invitée de renom, comme si je puis dire, Rita Znebar, partner du coup chez Cadiz Ventures, un fonds qui est based in Casablanca, based in Morocco, our home country. Anwar, finti قلتي لي واحد اللعبه قبيله قلت شو والو قلت ما كنتش معاك فهمتي شي والناس عندنا اش نقول لا كوم تا بارلي دو رونو انا جي ان تي بويم سور هاد عندي واحد دو لين كي ريم نقول لك ريتا زنيبر انفيستيس دو رونو دون لو موند دي افير ايل في ان كارتون Non. Un carton, je sais pas encore, mais on travaille pour. Inch'Allah. Donc, je dis qu'il y a le poème, c'est la suite. Ouais, il faut l'enregistrer. Non, je l'ai, ça fait, il est dans ce PC. D'abord, ça fait, il est enregistré, le micro et tout. Mais ouais, ça c'était du coup, ouais, pour rentrer dans la. T'as beaucoup travaillé pour préparer. Ah ouais, d'ouf. Non, pour débuter, on veut savoir un peu ton vécu, d'où tu nous viens. Genre, t'es qui, Rita? Voilà, t'es qui, Rita Znebar? Qui es-tu? Même si c'est une question genre hyper banale, hyper non, bateau. Ouais, non, mais c'est une question. Tu peux inclure que tu aimes le rouge, Mathieu. Ouais, par exemple. Exactement. Je suis le rose pour le coup. Ah, on va commencer d'abord par ce que je suis aujourd'hui en tant que partenaire dans un fonds de venture capital qui s'appelle Calis Venture. Yes. On a lancé il y a maintenant à peu près 2 ans avec ma partenaire qui s'appelle Selma Benadou. Qui. Si tu peux juste te rapprocher un peu plus. Ah, parce que, pardon, j'étais juste à l'aise dans ma petite chaise. Ouais. Juste, tu peux rapprocher le micro chez toi. C'est bon, je fais comme ça. Merhaba. Dès que je suis brune, hein. Des mecs, le dar, comment je suis. Non, très rapidement. Donc, on a lancé le fonds il y a 2 ans. Et on a commencé à le décaisser depuis avril 2022. Donc, on a pris 1 an pour vraiment comprendre l'écosystème, adapter notre thèse d'investissement. Donc, au début, on était sur de l'investissement. Dans des femmes entrepreneuses marocaines. Ah oui. Ouais, donc c'était très, très, très spécifique. Je ne savais pas si c'était spécifique. Ah là là, c'était très spécifique. Okay. Un sister fund à la marocaine. Mais en fait, on s'est rendu compte que l'écosystème n'était pas encore assez mature pour voir émerger déjà que des femmes entrepreneuses. Donc, on a élargi le scope en se disant, OK, on ouvre ça aux entrepreneurs marocains. Et puis après, on s'est rendu compte, on s'est posé la question de pourquoi est-ce qu'on se limiterait au Maroc. On a un seul LP, c'est un family office. Okay. Donc, on n'a pas forcément la contrainte en fait, d'investir seulement au Maroc. Et donc, on s'est dit, on va être focus Afrique. Donc, ça, c'est le premier fonds. Même si ce n'était pas la question, c'est qui Rita, ouais. C'est pas c'est quoi Calis. Moi, pour moi, ça revient de même. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que c'est... Genre, c'est une double identité. Oh, oui, c'est ça. C'est clairement ça. C'est notre petit bébé. Donc, c'est un peu... Ce qui ressort de ce fonds, en fait, c'est ce qui peut me représenter et qui peut aussi représenter Selma
ma partenaire et les points communs qu'on a ensemble. Ouais, okay. Donc avant Calis, j'ai fait un parcours, j'ai fait des classes préparatoires, puis yes. Ensuite l'UM Lyon, parcours classique quand tu fais l'UM, tu fais des échanges. Donc j'en ai fait deux pour le coup, alors que j'en avais droit à un seul. Donc j'ai fait un échange à Shanghai, puis un autre aux États-Unis à UC Berkeley. Dans les deux extrémités, je suis là. Ouais, les extrémités, les extrémités, franchement les extrémités. Et je me suis dit en fait, je voulais aussi découvrir un peu plus l'Afrique. Ouais. Donc, je suis descendue au Congo. J'ai passé une bonne période aussi au Congo dans un cabinet de conseil pour le compte de l'OMS pendant un moment aussi. Okay. C'était en plein Covid. Donc, ah ouais, deux secondes. Ouais. J'allais faire le même stage. Ouais, mais... Ah ouais, c'est réel. Pas, ouais. Je ne sais pas ce que tu as passé avec un mec qui s'appelle Bangou, je crois. Benoît ou Bangou? Parce qu'entre les deux, tu vois, il y a un continent. Il y a un continent entre les deux. C'était la même mission OMS. C'était du conseil en santé. Okay. Au Congo. Okay. Non, mais moi, j'ai dit que c'était incroyable. Oui, je sais, j'ai raté un truc. Mais... Ça y est, c'est bon, t'inquiète. Non, oublie, laisse tomber. C'était nul, franchement, on s'ennuyait, c'était vraiment pas intéressant. Tu le mets avec le mail. Ouais, ça marche, ok. Ouais, non, mais je te crois, t'inquiète. Là, je m'oxyde, la personne avec qui j'ai communiqué. Bon goût. Ok, ça marche. Bon goût, il a bon goût. Et puis, pendant mes études, en fait, j'ai jamais su ce que je voulais faire. Donc, depuis que j'ai 12 ans, je me disais, mais qu'est-ce. Enfin, je voyais des amis en fait qui voulaient être médecins, architectes, ingénieurs. Et moi, enfin, le temps passe et je me dis, ok, on va y arriver, tu vois, je vais savoir ce que j'ai envie de faire. Mais je me suis rendu compte que jusqu'à mes 22 ans, je ne savais pas ce que je voulais faire. C'est pas que je ne savais pas ce que je voulais faire, mais c'est juste que j'étais intéressée par beaucoup de choses. Tout m'intéressait en fait, j'étais curieuse. Et à un moment donné, ça m'a remis en question. Et je me suis dit, en fait, est-ce que. Le problème est où en fait? Comment est-ce que je peux être à l'aise avec ça? Et puis, je me souviens, en Chine, j'ai rencontré un prof qui, lui, était un peu comme moi, on va dire, dans le sens où... Enfin, il y a une catégorie de personnes qu'on appelle les généralistes. Ouais. Et en fait, il faut être à l'aise avec ça. Il faut être à l'aise avec ça. Et en plus de ça, il faut en faire une force. Donc, quand tu sais que tu as la possibilité d'être de t'intéresser à tout, et quand on te donne quelque chose à faire, en fait, tu n'as pas envie de te limiter à ce qu'on te donne, mais d'inclure en fait tous les angles, tu vois. Tu as envie de travailler aussi bien sur l'aspect marketing, l'aspect financier, l'aspect RH de la chose. Et bah, tu te dis que ce n'est pas donné à tout le monde, en fait. Et que, en plus de ça, quand tu arrives à montrer que tu sais bien le faire, il n'y a aucune raison de se dire c'est une faiblesse, en fait. Ouais. Donc, à partir du moment où tu comprends que c'est une force, il faut commencer à la nourrir, en fait. Okay. Il faut la nourrir, il faut en prendre soin, il faut... Voilà, you need to nurture it. Donc, c'est ce que j'ai fait et c'est le travail que j'ai fait depuis pendant 4 ans. J'ai découvert que j'étais généraliste. Et donc, pour être à l'aise avec ça, je me suis dit, pendant 4 ans, sur les 4 ans, en fait, pendant 2 ans, tu ne vas dire non à rien. Donc, toutes les missions qui arrivent, tu dis oui. Ouais. Tu dis oui sans être payé. Comme tu le dis film, oui, là, oui. Yes Man. De... Ah, je ne l'ai pas vu. Ah, tu connais pas? Je ne l'ai pas vu. Bah, tu devrais le voir. Ok. Donc, du coup, j'ai dit oui à plein de choses pendant 2 ans. Et puis, à une mission qui m'a un peu changé ma vision des choses. Ok. En tout cas qui me permettait de, enfin que je pouvais mettre en avant auprès de vrais clients, tu vois, en disant j'ai travaillé sur cette mission avec tel acteur qui était assez reconnu. Et donc c'est là où ça a commencé. Donc les missions de conseil ont commencé dans différentes industries. J'avais même répondu à des appels d'offres, à des sujets même structurels. C'était des missions de conseil en indépendant, genre en mode, ouais, en mode auto-entrepreneur. En mode auto-entrepreneur, alors parfois en auto-entrepreneur et parfois j'étais facturée à travers des okay. cabinets qui, eux, allaient m'utiliser. Parce qu'à la genre fin en mode jour, expert call ou un truc du genre. Même pas, hein, c'est très compliqué de s'appeler expert, oui, tu vois. Oui. C'est juste. En fait, c'est juste au moment où tu te rends compte que tu peux le faire, tu te rends compte. Et une fois que tu fais bien en fait une mission et que tu vas jusqu'au bout, que tu te dis waouh, enfin j'ai pu le faire. Ouais. En fait, tu te rends compte que il y a rien qui peut t'arrêter. Ouais. Tu vois, c'est très compliqué de qu'on te dise tu ne peux pas faire ça. C'était toujours la période Finkin en ouais, France. J'étais toujours étudiante. En France, okay. Donc tu faisais ça en parallèle. Non, en parallèle. En fait, je travaillais, j'allais à l'école et je faisais ces missions de conseil en freelance. Okay. Donc, machin là dans ces cas. Ah, merci. Voilà, merci. Et donc voilà, sur les deux années, donc j'ai enchaîné un peu des missions de conseil au Maroc principalement. Et suite à quoi, donc la dernière mission de conseil, c'était le lancement d'un fonds de venture capital pour une banque d'affaires. Et donc la banque d'affaires, c'était, pour pas nommer la banque d'affaires, ouais, ouais. Mais en tout cas c'est le lancement du fonds de venture. Et donc j'ai lancé le fonds pendant 3 mois et après les 3 mois, en fait,
ma partenaire actuelle m'avait dit est-ce que ça ne dirait pas de lancer, enfin de gérer le fonds pendant un moment en attendant de trouver quelqu'un. Je dis why not en fait, parce qu'on avait travaillé ensemble la thèse, on avait testé ensemble le marché, donc quelque part on retrouvait un peu nos propres valeurs dans ce fonds-là, tu vois. Donc j'ai géré le fonds pendant 9 mois. Et puis après, bah, quand tu gères un fonds et que tu décaisses surtout, que tu commences à investir, il y a forcément la relation qui se crée avec les entrepreneurs, que tu n'as pas envie de laisser une fois que tu donneras le flambeau à quelqu'un d'autre qui gérera le fonds. Et donc, j'ai décidé de rester à temps plein une fois que j'ai été diplômée. Et donc, de me lancer dans cette aventure entrepreneuriale. Yes. Donc là, on a géré notre premier fonds, on a investi dans 4 startups pour le moment. Et à la fin de cette année, si tout va bien, on ira sur... Enfin, on est en train de lever un deuxième fonds. Ok, d'accord. Et voilà. Donc, la taille du fonds initial, il était de combien On est amené à investir dans 8 à 10 startups. D'accord, ok. Voilà. Okay. Donc, mais il n'y a pas de montant de fonds comme un fonds habituel Alors, oui et non. Non, parce que, en fait, comme on a un LP unique, donc quelque part, quand des sujets nous intéressent, en fait, on peut mettre de plus gros tickets. Ouais, donc vous êtes plus flexible. Ouais. Voilà, on est un peu plus flexible, mais on va dire que l'idéal serait d'investir dans une dizaine de startups avant de lever un deuxième fonds. Okay. Yes. On voulait juste, des fois, on s'arrête sur des définitions. Ah, bien sûr, vas-y, je t'en prie. Juste pour définir, on a vraiment qu'une vision large public. Tu vois, il y a des enfants qui peuvent nous regarder. tu vois, vraiment, on j'ai une petite sœur de 12 ans, on peut tester avec elle si tu veux. Voilà, on veut tu vois, lui expliquer qu'est-ce que le venture capital. Tu as raison, t'as tu bien vois. Raison. Et en même temps, on a un goût de l'arbia. Un goût de le venture capital. Elle dit, monsieur l'arbia, par contre. Ah. Venture capital, monsieur l'arbia. Là, on a 12 ans. Ah, vas-y, là, vas-y. L'arbia, il y a. Là, il y a. Maquillage, l'arbia, le mot. Maquillage, l'arbia. Ça me dit. Sondor. Sondor Estichmar. Sondor Estichmar. Ou la chériquette Estichmar. Technologie. Voilà, النقد اللي كيستثمروا في شركات اللي متخصصه في التكنولوجيا شركات صغرى اللي يلاه صاعده في التكنولوجيا اون ميترا سورمون باش حيت ما شرحش مزيان اون ميترا سورمون لا كوميم لا سي دوني ماشي عرفتيني خلينا ندير والو Mais ok, parfait, excellent. Donc du coup, t'es arrivé. Non, je pense qu'il voulait. Pardon, excuse-moi, je t'interromps. Je pense qu'il voulait rajouter quelque chose sur la définition du venture capital. Moi, je voulais d'abord traduire. Et si tu peux aussi compléter. Certainement pas en arabe. Mais du coup, en français, j'aurais aimé, mais juste pas le vocabulaire, le bon vocabulaire pour le faire. Il l'avait pas aussi. Ça va. Franchement, il m'a assez impressionné. Non, mais du coup, venture capital, c'est effectivement ça. C'est investir tu as les fonds d'investissement. Donc, un fonds de venture capital est un fonds d'investissement. Mm-hmm. Mais à la différence d'un fonds de private equity, un fonds de venture capital va plutôt investir dans des projets assez tôt. Et donc, c'est pour ça qu'on l'appelle un peu le capital risque en français. Yes. Parce qu'on arrive à un moment donné où on n'est pas encore sûr à 100% qu'il y a market fit, qu'il y a le bon produit, que les entrepreneurs sont assez forts pour pouvoir croître et répondre en fait aux problématiques et aux challenges qu'ils vont rencontrer dans la vie de l'entreprise. Donc c'est vraiment prendre le risque assez tôt dans la vie d'une entreprise. C'est pour ça que le venture capital est fait. Yes, thanks. Ça fait. Excellent. Guilty BN, donc du coup, pendant toute ta scolarité, je pense qu'on a eu un petit snippet of your life en général du fait que tu as eu des missions de conseil en parallèle de tes études. Et toi, tu t'y es intéressé personnellement après la rencontre avec le fameux prof en Chine, etc. Ouais. Mais pourquoi finalement tu t'es intéressé par la suite au venture capital? Parce que tu faisais du conseil en strat. J'imagine que tu assistais ces boîtes-là sur des problématiques, comme tu as dit, assez transverses, 360, RH, business, go-to-market, bref, énormément de problématiques. Mais tu y es allé, je t'ai dit, je vais m'intéresser à l'investissement en capital risque, donc et je vais m'intéresser à ça en Afrique, et même genre je vais être based au Bledi.
Genre, c'était quoi un peu ouais, le parcours de l'arlec où tu t'es dit ouais, je, cheminement non, du raisonnement. Non, déjà, alors, avec toute humilité, pour reprendre juste un point sur le conseil en stratégie, parce que c'est un grand mot, tu vois, et je pense que même les personnes qui font de grands cabinets de conseil et qui font partie d'équipes, tu vois, ne vont pas dire j'ai fait une mission de conseil en stratégie, tu vois, it's a big word. On va dire que ce qui m'a facilité la tâche dans le conseil, c'est plus la compréhension du client, tu vois, c'est-à-dire qu'il y avait une vraie proximité avec le client qui faisait que on n'allait pas sur les contours du projet ou du sujet, mais on allait vraiment sur le vif du sujet, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est vraiment le point fort, on va dire, entre guillemets. Donc je dis pas que j'ai plusieurs casquettes et que je sais faire, tu vois, plein de choses en RH, plein de choses en marketing, plein de choses en finance, ce serait un abus de langage. Donc ça, c'est une petite parenthèse. Ensuite, sur le sujet de pourquoi j'ai fait le venture capital, donc j'en reviens à un autre point, c'est que quand je faisais du conseil, donc j'ai aussi entrepris. Donc j'ai entrepris, maintenant que j'investis dans des entrepreneurs, je me rends compte que la première boîte que j'avais montée, c'était plus une ONG et pas forcément une entreprise. Ouais. Donc on avait beaucoup d'impact, tu vois, on travaillait avec des artisans, on avait 3000 artisans dans la base de données avec lesquels on travaillait et on les aidait en fait à pouvoir vendre en ligne. Mmh. En tout cas, on les formait à prendre des photos, des choses comme ça. Mais le business model ne pouvait pas fonctionner. Et puis suite à cette entreprise, on a arrêté cette entreprise et pendant le Covid, j'ai lancé une deuxième boîte qui s'appelait MyTutor et où je mettais en relation des profs avec des tuteurs. Et ça, pour le coup, ça avait vachement marché. J'avais des business angels qui voulaient investir dans le projet. Et puis, c'était vraiment le moment où j'ai commencé le venture capital. Et quand je rencontrais des entrepreneurs, que je voyais cette lueur-là qu'ils avaient dans les yeux, je me disais, mais en fait, tu ne l'as pas dans ce projet. Tu vois, c'est vrai que tu fais du chiffre, tu arrives à faire de l'acquisition, de belles marges. Mais est-ce que c'est vraiment ce que tu as envie de faire, tu vois? Est-ce que tu ne sentais pas la passion, tu vois? Et donc, j'en venais à un autre cours que j'avais en parallèle à Berkeley, qui s'appelait Leadership for Innovators, qui était incroyable. Et en fait, pendant ce cours, je me suis rendu compte que j'étais pas leader, mais j'étais first follower. Et en fait, le first follower, c'est la personne dont l'entrepreneur a besoin pour driver toutes les personnes qui vont suivre, tu vois. Donc, c'est vraiment la personne qui va faire en sorte que t'as toutes les personnes vont suivre l'entrepreneur et l'empower, tu vois. Ouais. Et donc, en comprenant que j'étais beaucoup plus un accélérateur et un catalyseur pour les entrepreneurs, il n'y avait pas une meilleure façon de le faire qu'à travers le VC, en fait. Ouais. Et donc, je me suis accrochée à ce premier bout de chemin, cette première porte qui s'était ouverte à moi à travers la mission de conseil, pour me dire, c'est ce truc-là qui me fait kiffer, tu vois. Parce qu'il y a la diversité des industries. En fait, aujourd'hui, tu peux travailler même dans une seule journée, tu peux travailler sur différentes thématiques, tu vois, sur la fintech, la logistique, la mobilité, du climat, tu vois. Et donc, ça nourrissait ce besoin de toujours avoir des informations, toujours être à jour sur plein de sujets. Donc, j'étais subjuguée par la richesse en fait qu'on retrouvait dans le VC, premièrement, et deuxièmement la beauté du venture capital, et surtout quand tu gères justement un portefeuille, c'est que tu es capable d'être actif avec ton portefeuille et d'être le catalyseur de toutes ces boîtes là dans lesquelles tu investis. Mmh. Et c'est un peu ça notre empreinte avec Selma dans le fond. C'est qu'on aime être super actif avec nos entrepreneurs, à leur demande, bien sûr, on ne leur impose rien. mais voilà, on aime donc être dans l'operating, mettre les mains dans le cambouis, comment dire. En fait, on se comporte vraiment comme des cofondateurs. Ouais, c'est-à-dire que les entrepreneurs vont nous appeler sur des sujets spécifiques ou même juste pour discuter. Même en tant que partenaire, en fait, tu apprends des choses sur toi quand tu gères ton portefeuille. C'est de ne pas te... Parce que parfois, en fait, quand on va te mobiliser, forcément, tu vas prioriser... moi, je priorise mon portefeuille par rapport à toute autre action, tu vois. C'est-à-dire que si j'ai un nouveau deal flow qui rentre, mais qu'à côté, j'ai mes entrepreneurs qui souhaitent discuter, c'est sans hésitation d'abord mes entrepreneurs et ensuite le reste. Mais ce que je disais, c'est qu'il faut quand même savoir contrôler à quel point tu involves en fait dans un sujet, tu vois. Okay. C'est-à-dire qu'il faut arriver à faire la part des choses entre
une start-up et une autre, enfin dans le portfolio. Non, non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est que tu veux tellement aider l'entrepreneur que parfois tu peux être bossy. En quelque sorte. Ah. Non, pas bossy. Non, mais tu peux changer le cours de l'histoire de la boîte. Ouais. Et ça, t'as pas envie. Oui, genre en fait, mode, ça, c'est leur histoire à eux. Toi, tu, juste, t'es le voilà, first follower et tu les aides ça. À écrire leur histoire. C'est à exactement eux. Ça. En fait, okay. C'est ça le c'est ça la distinction qu'il faut Enfin, c'est un travail que tu fais sur toi-même, sur le ouais. avec le temps, tu vois. Mais c'est ça peut te jouer de mauvais tours. Ouais. Richard. Ouais. Du coup, Calice agit en Afrique. Ouais. Au Maroc. Hein, agit ça. Hein Afrique, c'est un grand mot. Mais ouais. Pour le moment, ouais. Pour le moment, on est dans 4 pays d'Afrique. Yes. Ok. Elle agit au Maroc et voilà 4 pays ouais, d'Afrique ouais, avec inclus ouais. le Maroc. On veut savoir quels sont ces pays. Non. Ah. Non. C'est enfin les éléments, enfin les clés pour être un bon investisseur en Afrique. Jack. Déjà, tu as parlé de compréhension, ouais. tu as parlé déjà de pas mal de choses, ouais. mais finalement, si tu devais résumer un peu, ouais. un peu, genre, parce que tu vois, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu as décidé de revenir ouais, au Maroc en Afrique. Et de travailler en Afrique, mm. peut-être grâce à l'expérience au Congo, ouais, clairement. J'en sais rien. Ouais, bien sûr. Donc voilà. Qu'est-ce que tu as vu en Afrique que par exemple tu n'as pas vu à Berkeley mm-hmm. Parce que Berkeley, quand même, on en a parlé. Hein. Il y a, il y a deux épisodes, là, trois épisodes. Ouais. J'ai du coup, aussi un ancien de Berkeley, Jafar Al-Alami, qui est un peu un serial entrepreneur, tu vois, Mghribi. Et il était à Berkeley aussi. Et Ragalin Rakaïn, ou une piscine, les startups. Ça dépend de Dior. Mais donc, du coup, donc, pourquoi tu as décidé de revenir finalement en Afrique? Bon, je vais dire un truc, mais ça sera un peu bateau, tu vois. Je vais dire l'impact, mais ça peut être bateau, tu vois. Mais non, c'est non, réel, parce c'est que vrai. J'ai... Enfin, je trouve que... Enfin, pour moi, ça... Je me suis pas, même pas posé la question, tu vois. Quelque okay. part, c'était... Naturel. Naturel pour moi que... En fait, j'ai toujours su, avec, encore une fois, toute, ouais, beaucoup d'humilité, en fait, j'ai toujours su qu'au fond de moi, je devais réaliser des choses... assez important, tu vois, un impact important. C'est un sentiment que j'ai toujours ouais. eu et j'ai l'impression que j'ai encore beaucoup de choses à accomplir, énormément de choses sure. à accomplir. Bon, c'est vrai que je peux pas changer le monde, ni je suis encore, enfin mine de rien, c'est mais je reste, je viens de commencer, tu vois, quelque part dans la vie professionnelle. Mais j'essaie de faire ce que je peux pour changer les choses à chaque fois que j'en ai l'occasion, tu vois. Donc changer la façon de faire le VC. D'ailleurs, c'est drôle parce que quand j'ai commencé à faire du VC, enfin, à être dans cet écosystème, je me plaignais tout le temps des fonds de VC. Ouais. Je me disais, mais attends, les fonds de VC, ils n'accompagnent pas les startups. Je parle ouais. globalement. Tu as des startups. Oui, les startups viennent de commencer de se lancer, c'est normal. Des valorisations basses. Oui, tu es censé faire du capital risque. Donc, quelque part, en fait, il faut que tu prennes le risque avec des startups, tu vois, si tu es un vrai investisseur. Ouais. Puis une fois que tu te mets de l'autre côté, en fait, c'est différent parce que tu te dis ton rôle, c'est pas ça. Tu vois, ton rôle, c'est investir dans des boîtes et c'est pas être Mère Teresa, tu vois, vouloir changer les ouais. choses ou former des personnes. Pour ça, il y a des incubateurs, il y a des accélérateurs qui sont faits pour ça. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui de pont clair entre les incubateurs et les fonds de VC. Mmh. Et c'est là le vrai problème. On en viendra à un moment donné si vous voulez aborder un peu ouais. le sujet. Mais voilà, un fonds de VC est fait pour investir dans des boîtes qui sont fundable, qui ont at least des entrepreneurs qui tiennent la route, qui comprennent c'est quoi une start-up et qui ne se comportent pas comme une PME, parce que ça, c'est important et on ouais. en voit pas mal en Afrique. Ouais. Un market fit qui est... c'est le bon momentum. Un business model qui tient la route. Que ce ne soit pas juste du cash burn sans être profitable. Si c'était il y a 2-3 ans, ça aurait marché, mais plus aujourd'hui. D'ailleurs, dans toutes les slides que tu vois aujourd'hui en tant que VC, je ne sais pas si c'est le cas pour toi, parce que ouais. je pense que tu es aussi dans le VC. Tu vois, il y a une slide qui dit « We are profitable ». Donc ça, c'est ah, le ouais. mot-clé, tu vois, de ouais. « viens, on discute ». Il y a deux mots, il y a « We are profitable » et il y a « AI ». Il y a « AI », ouais, bien sûr. Bah oui, attends, AI. Logique. AI, ouais. Donc ça date depuis un moment, l'histoire ouais. de l'IA, mais We Are Profitable, ça c'est une vraie invitation à la discussion, tu vois, et ça marche, ouais. parce que franchement... Est-ce qu'à un moment de ta stratégie, ta réflexion ouais. Sur le fait que tu voulais revenir et faire de l'impact ouais. pour ton pays, ouais. est-ce qu'il y avait aussi cette idée-là que l'Afrique c'est le futur en termes... Ah non, bien sûr. Alors ça, c'est un justificatif, on va dire. Ça confirme, okay. ça confirme ta thèse et ça te réconforte dans ce wow. que tu as envie de faire, tu vois. Merci. Mais c'est pas le premier point où tu ouais. vas te dire, ouais,
c'est The Place to Be. Il y a encore toute une histoire à écrire en Afrique, il y a beaucoup de choses à faire, des choses structurelles. Et bien sûr, il y a une population croissante qui est en train d'émerger. Il y a une réglementation qui se met en place avec l'ASLECAV qui fera avancer les choses entre pays africains, enfin en tout cas l'économie entre pays africains. Donc il y a beaucoup d'événements qui feront que l'Afrique réunie fera en fait le... En tout cas, il y a de belles choses à faire. T'as dit qu'il y a tout à construire. Il y a tout à construire. Ouais. Et on en a parlé aussi, encore une fois, dans un dernier épisode. Et je trouve que c'est un sujet hyper intéressant. Du fait qu'il y a une tendance générale, que ce soit même de diaspora, marocain résident à l'étranger, même en général, africain résident à l'étranger, du fait que, en ce moment en Afrique, peut-être la technologie n'est pas assez mature, n'est pas assez, etc., pour revenir dans mon pays et travailler dans mon pays, etc. Toi, tu as pris le choix de mettre les mains et de se dire il y a tout à construire et finalement on a besoin de personnes pour construire cette histoire. Pourquoi est-ce que tu penses que peut-être le fait que tu as grandi au Maroc, ça fait que dans ton entourage tu voyais un peu peut-être le fait qu'il y a des peines que toi tu comprenais que peut-être un étranger ne pourrait pas comprendre. C'était quoi Rita, qu'est-ce qu'elle a pensé derrière tout ça? Non, alors, il y a des fonds quand même qui investissent en Afrique, mais qui sont japonais, qui n'ont aucune relation avec la culture africaine. Totalement. Bon, après, le Japon, c'est différent. Enfin, oui, d'accord. Donc, les Japonais, tu as aussi des Européens, enfin, pas mal de fonds qui ne sont pas africains, mais qui y vont par opportunité ou en tout cas par curiosité aussi. Parce que même si on se rend compte que la part de leur investissement reste importante en Afrique, mais elle reste beaucoup moins importante que ce qu'ils investissent ailleurs. Donc, il ne faut pas se leurrer non plus. Le venture capital en Afrique est encore très dans ses early stages aussi. Après... Pourquoi être parti en Afrique alors qu'il y a encore tout à construire, donc il y a rien, qu'est-ce qui te pousse à faire cette réflexion? Et bien tout simplement, si c'est pas le venture capital qui finance ces projets qui sont risqués, c'est pas les industriels qui le feront et c'est pas les fonds de private equity qui le feront, tu vois. Donc il faut bien que quelqu'un prenne des risques, tu vois. Ça veut dire yes sir. Ah ouais, yes sir. C'est ça en fait, c'est ceux qui sont les mieux placés qui peuvent prendre le risque pour investir dans des sujets, c'est les fonds de venture capital qui eux-mêmes, en fait, il ne faut pas l'oublier non plus, sont financés par des DFIs, donc ils ont des missions à accomplir pour l'Afrique, donc il y a aussi des enjeux politiques derrière, c'est pas juste on veut se faire de l'argent, donc il y a des garanties que les fonds ont derrière par rapport à leurs investissements en Afrique. Après, tu as aussi ceux les plus courageux, en fait, qui sont financés par des LPs, par des family office ou des corporates, et pour qui il y a des enjeux stratégiques dans le fait d'investir en Afrique. Et on le voit d'ailleurs, hein, les exits en Afrique, il n'y en a pas énormément. Non, ouais. C'est ça le problème. Même en Europe, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Ouais. Genre les exits. Mis à part aux États-Unis où c'est industrialisé, c'est une machine en mode ta-ta-ta, M&A. Mais même en Europe, les gens, ils ont du mal à... Genre, j'ai l'impression que l'investissement ici en France, par exemple, genre, parce que moi, du coup, je fais du VC en France, mais c'est plus, genre, en termes de rendement, ils voient plus multiple que le TRI, finalement. Oui. Genre, ils ne voient pas l'aspect temps. Ça, c'est une mauvaise réflexion. Ah oui, c'est toxique. C'est même si, je pense que le fonds pour lequel tu travailles a beaucoup de mérite dans ce qu'il fait. Mais en général, tu vois, globalement, je me suis fait de la réflexion. D'ailleurs, on s'est fait de la réflexion avec, la semaine dernière avec quelques fonds qui investissent en Afrique en se disant... Quelque part, on s'oublie sur ces sujets de multiples, tu vois. Quand tu investis dans une boîte, tu te dis, ok, trop bien, on a fait un multiple de 5 sur la valo qui suit, de 10, et ensuite sur round after round. Mais réellement, qu'est-ce que ça vaut en termes de liquidité? Au moment de la liquidité, tu as un acheteur au bout de la ligne qui te dit, t'es bien sympa, mais tout ce que tu as fait là, en fait, moi, je ne pense pas que tu vaux ce que tu proposes comme valorisation. Donc, la question qui se pose, c'est est-ce que tu as envie d'aller dans des territoires qui sont plus compétitifs
où tu peux réellement te faire des multiples assez intéressants, rapidement, mais où les exits, les options d'exit ne sont pas super intéressantes. Ou est-ce que tu as envie d'aller dans des territoires un peu plus stables, où tu peux voir une croissance qui est plus ou moins voilà, un fois 5 ou un fois 6, et où tu peux faire un exit avec un corporate local, ouais, qui a envie de récupérer la techno et le marché de la start-up, tu vois. Donc c'est réellement ça la réflexion. Et in fine, je pense que le marché qui est en train de s'équilibrer aujourd'hui, qui est en train de revenir un peu à des valorisations plus ou moins correctes, avec des montants de levée aussi corrects, des conditions intéressantes, je pense que c'est ce vers quoi on tend en tant que venture capital aussi. Même en termes de thèse d'investissement, je pense que les LP sont plus enclins à écouter une thèse où on serait ouvert à l'idée de peut-être investir dans un territoire qui sont moins compétitifs, comme j'ai dit, mais où tu peux faire plus d'exits, plutôt que d'aller dans des territoires risqués où tu peux faire un exit potentiellement, mais où c'est super risqué. Ouais. Tu vois. Ouais. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'à partir du moment où ce souci-là genre va être réglé, genre même pour les personnes qui souhaitent se lancer, que ce soit Mrerba, genre Sénégal, Côte d'Ivoire, etc., à partir du moment où ils comprennent qu'en termes genre investment wise, genre mode investment dans la partie invest, qu'en fait les gens ils cherchent la liquidité, ils cherchent le fait de multiplier leur richesse, en fait ils doivent se dire que tant qu'il n'y a pas de liquidité, tant que les grands corporates, etc., ne voient pas l'argent, ben, ils ne vont pas rentrer dans ce domaine-là du capital risque, et ça ne va pas se démocratiser en Afrique. Et il n'y aura pas d'investissement dans les startups en Afrique. Genre parce qu'aujourd'hui, tu as dit que c'est assez early en général. Genre ça commence à devenir mature. Il y a des hubs. Tu as parlé du Sénégal, Nigeria plutôt, Afrique du Sud, Égypte, ouais, Tunis. Bref, il y a quelques hubs où même la réglementation aide, etc. Bien sûr. Mais finalement, tant que, par exemple, le Mghreb, peut-être une réglementation un peu plus souple sur, par exemple, la sortie d'investissements étrangers, j'en sais rien, tu vois, genre, bref, il y a pas mal de thématiques. Tant qu'il n'y a pas ça, ben, finalement, même derrière, il n'y aura pas un développement de l'entrepreneuriat au sein d'un pays, parce que ça bloque en termes de liquidité, etc. Je sais pas si tu vois, je me suis éparpillé là, c'est partout. Ça en fait, pour moi il y a deux sujets dans ce que tu abordes. Il y a le sujet réglementaire lié au pays où tu veux investir, et puis il y a des sujets globaux en fait, des exits, des LPs en fait qui ne voient pas de return parce que localement en fait on va dans des pays à risque. Donc pour répondre au premier sujet, donc comme je t'ai dit tout à l'heure, en fait, tant qu'on a des LPs qui sont, enfin tant que tu as aussi des DFIs qui rentrent en jeu et qui financent, parce que bon, il y a une étude d'ailleurs qui avait été menée par un prof universitaire à Berkeley qui disait comme quoi un pays qui investit dans les startups peut faire jusqu'à x5 de son PIB. Peut multiplier x5 son PIB grâce en fait à... Mais à long terme, pas... Bien sûr, oui, pas à long terme. À long terme, il y a à peu près, tu vois, à partir de 5 ans, 6 ans, 7 ans. J'ai plus les chiffres en tête, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais je peux te partager l'article et ensuite tu pourras peut-être l'ajouter comme note sur le podcast. Ok. Non, moi, je voulais faire ça. Je me note ça. En général, ok. En général, c'était quoi enfin, okay. Mais je pense que c'est du long terme. Je pense que ça doit être parce que, entre 5 et 10 ans. Parce que moi, je la vois, tu vois, le capital risque, il y a beaucoup ce côté visionnaire, donc c'est vraiment à long terme. Ah tu oui, vois, c'est sûr. Une patience. C'est sûr. Il faut attendre. C'est sûr. Tu vois, l'idée, elle est là. Et pour la développer, il faut beaucoup de temps. Mais la valeur ajoutée que peut donner, tu vois, cette idée sur la société, sur l'économie. En termes de recrutement, d'économie de coûts, tu vois, de plein de choses. Donc, il ne faut pas avoir peur d'attendre. Oui, non, il faut être visionnaire. De toute façon, quand tu mets des politiques régionales dans un pays, tu vois, tu regardes pas le du structurel. Okay. Oui, c'est ça. Politique structurelle. Tu me rappelles mon cours d'éco, politique structurelle et politique conjoncturelle. La loi de finances, la LOLF. Mais du coup, sur le deuxième aspect, donc on a parlé du premier aspect lié aux LPs et aux corporates en fait, qui n'auraient pas de retour et donc qui n'investiraient pas dans des boîtes. Je pense qu'il faut avoir une approche axée, donc là je reviens sur le premier point, il faut avoir une approche très axée corporate justement. Moi j'ai une conviction, c'est que si tu as... Enfin, aujourd'hui dans des pays comme le Maroc ou dans des pays d'Afrique globalement,
tu as toutes les entreprises ont des enjeux, tous les grands groupes ont des enjeux. Et on commence à voir aujourd'hui des leaders industriels investir dans des startups ou en tout cas voir émerger à l'intérieur des boîtes avec lesquelles ils mettent en place des partenariats, parce que de toutes les façons, les entreprises B2B ne peuvent pas voir le jour si les gros industriels ne sont pas digitalisés, parce qu'ils ont besoin de se pluguer à ces acteurs B2B pour pouvoir leur vendre des projets. Donc il faut que on a essayé de faire de l'intrapreneuriat en Afrique. Okay. Pendant, je pense, 3-4 ans, on a vu des acteurs en train d'essayer de proposer des missions de conseil, d'accompagnement, d'envoyer des équipes à la Silicon Valley pour des formations. Tu vois. Ouais. On a vu des acteurs comme ça, bancaires notamment. Et ça n'a pas forcément donné les fruits recherchés. Okay. Donc là, pour moi, l'une des meilleures façons de pouvoir le réussir, c'est que c'est qu'il y ait en fait des fonds de venture capital qui comprennent les enjeux de ces industriels, de ces grosses boîtes, mais qui les comprennent vraiment, tu vois, parce que parfois, même ces acteurs-là ont du mal à exprimer en fait quel est leur besoin, quelle est leur vision, où est-ce qu'ils veulent aller, tu vois. Donc, ouais, faut vraiment prendre le temps de comprendre ce que le corporate a envie de faire dans les 5 à 10 prochaines années. Mmh. Et en fait, suite à ça, le VC va aller chercher des opportunités d'investissement qui rentrent dans le cadre de cette stratégie, pas sur le court terme, mais vraiment sur le long terme. Si tu as un industriel qui a envie de s'étendre vers le Nigeria ou là, vers l'Afrique de l'Ouest dans 3 ans, bah, tu investis dès maintenant dans la boîte et peut-être que ton exit, tu le feras même avec ton LP principal. Tu vois. Mm-hmm. Donc, pour moi, c'est vraiment une vraie façon de voir le VC efficacement, on va dire, en Afrique. Après, ça reste ma perception des choses qui est très, très personnelle et départagée aussi quand j'en parle autour mais, de moi. Ouais, mais c'est une stratégie aussi, en fait. Il y a la stratégie de risquer d'investir. Ou il y a l'autre stratégie d'essayer de trouver des modèles qui peuvent être rachetés par des corporates par la suite. C'est aussi, en fait, ça fait aussi flourish. Non, ça, en termes de PIB, ça augmente le PIB. C'est gagnant-gagnant. Et après, tu vois, même les corporates. Il ne faut pas essayer de reprendre des modèles qui ont fonctionné ailleurs. Enfin, ici en France, ce que je viens de dire, on appellera ça du CVC. Et encore, hein, parce que le CVC, c'est en interne et tu investis à travers une poche interne que tu peux outsource auprès d'un fonds de fonds, par exemple. Mais. La vision que je propose, moi, c'est vraiment une vision croisée entre le CVC, Venture Builder et VC. Enfin, du coup, dans CVC, à VC. Donc, c'est plus CVC et Venture Builder, cross companies and industries, tu vois. Ouais. Et je pense qu'on peut le faire. Hein. Moi, il faut juste avoir cette proximité avec le LP. Faut bien le connaître, en fait. Faut que ça vienne de l'intérieur, en fait. Mais du coup, envers le corporate, là, vous essayez de comprendre exactement ce que fait le corporate pour bien investir, tu vois, pour qu'il y ait des solutions d'exit après. Ouais. Et vous vous rapprochez, vous faites des études de marché en tant que fonds vis-à-vis des corporates pour savoir exactement. Études de marché. Zama, pour savoir exactement leurs besoins en termes de tech et pour savoir exactement où vous allez investir et par la suite. Tu vois, trouver une solution d'exit et qu'elle soit rachetée et que vous faites votre argent. Ouais. Mais Emma, en tant qu'investisseuse, toi, comment tu étudies ce besoin du corporate? Moi, je le fais inversement, tu vois, parce que en fait, parce que c'est une vision, c'est la première fois que j'entends. Mais En fait, un corporate, si tu veux, surtout au Maroc ou dans nos pays d'Afrique, souvent le corporate, ça va être un leader industriel, d'accord? Et ce leader industriel... un peu comme dans toutes les boîtes, mais je trouve que c'est un peu plus fort en Afrique, c'est que tu as un CEO qui reste toujours décisionnaire de toute la vision de la boîte, de ce qui va se passer. Tu vois, ça reste un family office à taille plus ou moins humaine, tu vois, même si c'est une grosse boîte qui fait énormément de chiffres. Et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir ce flux en fait de communication assez fréquent, ce qui n'est pas toujours possible, tu vois, entre un VC et un industriel, par exemple, qui n'a pas le temps parce qu'il a d'autres priorités. Donc, il faut d'abord, avoir l'attention de l'industriel. Et ensuite, dès que tu as un deal flow, dès que tu as le deal flow, tu le présentes, d'accord? Tu présentes tout le deal flow au début et tu regardes qu'est-ce qui attire son attention, tu vois? Est-ce que c'est des sujets plutôt... B2B, SaaS, est-ce que c'est plutôt des sujets de logistique, est-ce que c'est plutôt... Ouais. Et en fait, tu nourris sa réflexion au fur et à mesure. Ouais. Et en fait, en nourrissant sa réflexion, tu te fais du coup un entonnoir sur ce qui l'intéresse réellement et tu comprends toutes ces... il t'expose un peu toutes les industries dans lesquelles il opère, peut-être en tant que minoritaire ou en tant que majoritaire, tu vois, parce que
tout n'est pas public comme information. Donc, il faut vraiment prendre le temps de récupérer cette information de façon à ce qu'il se sente lui-même à l'aise à l'idée de te parler un peu de ce qui l'intéresse, parce qu'il sent que tu peux apporter cette valeur ajoutée à travers la mise en relation, à travers cet investissement dans telle ou telle boîte, tu vois. Donc c'est vraiment un entonnoir que tu vas te créer au fur et à mesure, et c'est que du relationnel, tu vois. C'est vraiment le relationnel qui est important. Et le deuxième point, sur, pour revenir à tout à l'heure, on avait donc deux points. Et le deuxième aspect, c'est l'aspect réglementaire. Effectivement, c'est un vrai sujet qui se traite aujourd'hui dans le bac avec quelques acteurs qui travaillent assez sérieusement pour faire bouger les choses. Des acteurs dans l'investissement ? Dans l'écosystème du capital risque. Ok, ouais, d'accord. Des acteurs dans l'écosystème du capital risque qui sont en train de travailler pour il y a pas mal de sujets qui font qu'un investisseur étranger n'investirait pas, par exemple, au Maroc sur des sujets d'exit, comme tu l'as un peu mentionné tout à l'heure, donc pour qu'il puisse faire sortir après son argent, il y a des sujets de fiscalité. Il a plus intérêt à investir si c'est un business angel, par exemple, aux États-Unis. Et on en a pas mal dans notre écosystème qui souhaitent investir au Maroc, mais en même temps, ils sont plus intéressés par l'État... par l'état dans lequel ils sont aux États-Unis, par réinvestir en fait leur argent aux US. Donc il y a pas mal de sujets qui font que les investisseurs vont préférer investir à l'étranger. Maintenant, c'est pour ça qu'on commence à voir il y a le premier sujet des investisseurs et le deuxième sujet lié au paiement en devises. Donc quand tu es au Maroc, tu es capé par un certain chiffre. D'ailleurs, même l'office d'échange l'a compris et ils viennent d'autoriser sur la note en 2023, sur une nouvelle note qui est apparue en janvier, il me semble. Ouais. Ils viennent d'autoriser aux entreprises, donc aux jeunes entreprises innovantes, donc celles qui sont labellisées par l'ADD, donc l'ouverture, des startups en quelque sorte. C'est ça, l'ouverture d'une holding à l'étranger. Donc, parce qu'ils ont compris que c'était un vrai sujet et qu'il y avait beaucoup de startups qui le faisaient anyway. Ouais, on appelle ça le flip, non ? Le flip aux US, c'est ça, au Delaware, ou peu importe, ou à Dubaï. Mais voilà, c'est un flip et c'était un vrai sujet dans l'écosystème parce que il y a certains fonds qui ne pouvaient pas investir hors Maroc. Et donc, au moment où il y a eu ce flip... Il y a un ensemble de choses qui ont dû être adaptées pour pouvoir attirer des capitaux étrangers au sein des startups marocaines, parce que c'est ce qui allait permettre de voir émerger des séries A ou des seed plutôt que de rester sur du pré-seed en majorité. Donc, du coup, si tu résumes un peu là, ce que tu as dit, c'est que aujourd'hui, en tout cas, si on parle de l'exemple du Maroc, on est Moroccan Mavericks quand même. si on parle de l'exemple du Maroc, il y a certains aspects réglementaires et peut-être liés à l'écosystème en termes de mentalité de l'investisseur. C'est-à-dire, l'Youm El Mghreb, il investit énormément dans l'infrastructure, dans des projets qui sont capital intensive, genre ils investissent en Côte d'Ivoire. Genre moi, j'étais parti en Côte d'Ivoire, j'avais le drapeau du Maroc de partout, etc. Aquaba, Awashuaqa, tu vois. Et donc, du coup, peut-être dans un premier temps, donc, un changement de mentalité, c'est-à-dire voir un peu le return on investment et même humainement parlant, impactful parlant, voir un peu du coup le fait que... tu vois, il y a des choses à faire dans ce domaine-là, technologique, etc. Et dans un deuxième temps, il y a la partie du coup réglementaire qui est en train de changer un peu et d'évoluer pour être dans le développement dans l'entrepreneuriat. Exact. Je pense que c'est deux points énormes, genre c'est deux énormes conclusions un peu... On a été... on a été réellement dans la tête d'un investisseur. T'as parlé du fait qu'il y a certains acteurs dans le venture capital qui viennent et qui essayent d'améliorer les choses, même pour eux, parce que finalement c'est pour les entrepreneurs, parce que les entrepreneurs, genre... J'exagère, c'est des bébés en quelque sorte, et le fait que... Gros bébé. Ouais, genre, small companies, etc. Et il faut mettre en place une sorte d'écosystème et d'environnement qui est sustainable pour eux, pour qu'ils évoluent. En tant qu'investisseur, genre, que ce soit avec Calis Ventures ou même personnellement, genre, quand tu vas avec cette startup, comment être proactif dans un peu le développement de l'entrepreneuriat
Mis à part l'aspect du coup de quand tu m'as dit accompagner opérationnellement les startups du portefeuille, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui sont externes à cela qui font que peut-être ouais, les discussions avec les institutionnels, je sais pas, tu vois, genre d'autres actions qui pourraient être en faveur des entrepreneurs. Comment même aussi créer Zama avec le modèle de l'entrepreneur ou avec le modèle de l'entrepreneur, il connaît réellement un modèle pour la société. Tu vois, c'est tellement faire en gros promouvoir l'entrepreneur et que ça soit une hype aussi au Maroc, le fait de faire des startups. Tu vois. Okay. Et bien évidemment, de l'entrepreneuriat à forte valeur ajoutée. De l'entrepreneuriat dans la tech et à forte valeur ajoutée. L'e-commerce. Bah, quoi que tu sais, pour moi, petite parenthèse par rapport à la tech, en fait, tu as des boîtes aujourd'hui qui performent, qui surperforment en termes de croissance et de scalabilité, et où en fait, tu as des fonds qui vont. C'est-à-dire là où des fonds vont quand même remettre en question la boîte. Ouais. Alors que pour moi, en fait, ça reste quand même VC fundable, let's say, tant que tu as la scalabilité, en fait. Ouais. Et la tech, elle peut, normalement, elle devrait soit te permettre d'augmenter le chiffre d'affaires de ton client, soit te permettre de lui réduire ses coûts, soit de te permettre à toi d'être mieux organisé et processé de façon à ce que tu puisses gagner sur l'un des deux. Et donc, à partir du moment où tu as une boîte, par exemple, qui est dans le front, quand tu regardes le sujet, tu te dis ah ouais, mais où est la tech? Mais quand tu regardes ces chiffres, tu te rends compte que en fait, month over month, tu as une croissance de 50% à chaque fois et que à côté, tu as des coûts qui sont dégressifs. Il y a même pas sujet, tu vois. Ouais. C'est une start-up et ça vaut le coup de la regarder. Ouais. Mmh. Donc, attention sur la notion de. Les avis divergent. Je suis d'accord avec toi. Dans le Business Angel Club dans lequel je travaille, eux, ils sont très tech. Mmh. Donc, du coup, tant qu'il n'y a pas la tech, ils ne voient pas la longévité. Oui. Parce que je suis d'accord avec toi, il y a des innovations, mais des innovations, par exemple, en sales, genre en mode en termes de stratégie go-to-market, en mode comment attaquer le marché, et aussi les qualités pour attaquer le marché. Ouais. Tu vois, tu as parlé de compréhension, tu as parlé de qualité commerciale, je suis totalement d'accord avec toi. Bref, c'était une petite parenthèse. Ouais. Donc, du coup, pour revenir à la question, c'était comment adapter, enfin, être proactif. Donc, avant ça, dans ce contexte-là, pour revenir, donc, je vous avais dit au tout début que nous, on a passé un an à adapter la thèse d'investissement à l'écosystème. Ouais. Au début, on a commencé avec des tickets de 2 millions de dirhams en se disant on va mettre directement 200 000 euros directement et à côté de ça, en fait, investir vraiment dans des idées en pré-seed. Et accompagner les boîtes. Après, on s'est dit, attends, ce truc-là, ça ne peut pas marcher. En fait, on voulait faire comme un acteur principal et on s'est dit, on n'a pas les mêmes moyens ni les mêmes objectifs, tu vois, parce que l'acteur clé, c'était un acteur, entre guillemets, gouvernemental, tu vois. Donc, tu te dis, d'où toi, petit fonds qui arrive avec ton petit fonds, tu as envie de changer le monde et changer le Maroc en faisant comme ça. Il y a d'autres façons plus adaptées de le faire. Et du coup, c'est comme ça qu'on a adapté nos tickets entre 50 000 dollars et 200 000 euros, du coup, 50 000 euros et 200 000 euros, en se disant que c'est ce dont l'écosystème a besoin. En fait, on s'en rendait compte qu'au Maroc, les business angels, au moment où on est arrivé, n'était pas encore assez mature pour investir dans des startups, que souvent, ils négociaient des termes qui n'étaient pas adaptés aux valorisations du marché. Par exemple, on était sur du 500 000 dirhams contre 50% de la boîte. Et ça tue l'entrepreneur. Ça tue l'entrepreneur. Ah oui, clairement. Clairement que ça tue l'entrepreneur. Donc, forcément, si tu as une boîte hyper intéressante, tu as un entrepreneur qui décide de quitter son travail et se retrouve face à un business angel qui lui donne ces termes-là, en fait, il est juste découragé. Il se dit, je vais prendre 500 000 dirhams. C'est même pas un cash burn de 3 mois. Et en plus de ça, quand tu vas avoir un VC avec une cap table où tu es déjà assez dilué en tant qu'entrepreneur avec un business angel sleeping partner qui a juste mis son argent, bah en fait, tu es plus intéressant pour un VC. Ouais. Donc, on s'est dit, on va se positionner un peu comme un business angel, mais qui comprend les règles du VC. Donc j'ai moi-même passé, en fait, quand j'étais justement aux États-Unis, un fellowship dans un fonds. Parce que je me disais, quand je suis arrivée, pendant l'année où on construisait un peu notre thèse, je me disais, j'entendais souvent des choses comme ah, mais vous n'êtes pas VC friendly, la valorisation est trop basse, comment vous pouvez négocier des choses comme ça? Et en fait, forcément, quand tu n'as jamais fait du VC avant de rentrer, quand tu as juste suivi des formations, des choses comme ça,
tu te dis, mais peut-être qu'il a raison, en fait, que je devrais accepter sa valorisation qui est 50 fois plus cher que ce que je peux trouver sur le marché. Et donc, j'ai décidé de faire un fellowship dans un fonds qui avait la même thèse que nous, donc qui mettait des tickets entre 50 000 et 200 000. Pendant la période de construction. Ouais, quand j'étais à Berkeley et que je construisais aussi le fonds. Et donc là, j'ai commencé à me dire, ben non, en fait, c'est complètement normal et fair. Et surtout, en fait, si tu la prends aux US, là où en fait les règles sont les plus fair dans l'écosystème, c'est que tu peux l'appliquer aussi dans un écosystème émergent comme le Maroc. Donc, et donc, d'où le fait d'être venu avec cette thèse entre 50 000 et 200 000, en se disant qu'on allait être l'un des premiers, tu vois, c'est-à-dire qu'en général, on se retrouve avec des business angels autour de la table. On ramène aussi d'autres business angels, ouais. Et on ramène aussi parfois des corporates stratégiques autour de la table, okay. qui vont pouvoir apporter cette valeur ajoutée aux boîtes. Voilà, pour pas trop spoiler. Plus, quoi. Ouais, ouais. Pour pas trop spoiler. Ouais. Mais voilà, donc c'est un peu notre façon de faire les choses. Donc on va arriver assez tôt dans l'aventure d'une start-up, surtout si c'est en précide, on va... Quand tu parles de précide, c'est pre-revenue aussi ? Pre-revenue. Okay. En fait, on est capable d'investir dans une start-up en pre-revenue si on a founder with expertise. Donc en fait, si c'est quelqu'un qui a passé 10 ans chez Mastercard et qui te dit j'ai envie de lancer une fintech, mais de la tech, tu vois, pas une boîte marketing, mais une vraie fintech, mm-hmm. Bah, tu le suis en fait, parce que tu sais que le gars est assez bon, il connaît son marché, il sait les partenariats à mettre en place. Ça dépend juste de son poste chez Mastercard. Oui, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Bon, après, j'espère que pendant 10 ans, il a pas. T'es pas en marketing, ouais, il a quand même évolué, quoi. Attends, je voulais pas donner de poste comme ça, tu vois, je reste tranquille avec tout le monde. J'ai fait 10 ans. Ouais, j'ai fait mes 10 ans chez Mastercard, exactement. Donc, on commence à voir des patterns. Tu vois, là, on travaille nous sur un algorithme interne pour identifier justement les patterns. Et pour sourcer des boîtes ? En fait, d'abord, identifier des patterns. Okay. Avoir en fait un profil plus ou moins type de boîtes qui ont pu passer du pré-seed vers un certain stage assez rapidement, okay. Et en se disant ok, ils ont ça en commun, tel nombre d'expériences, telle école, avoir une sorte de profiling, ouais. Et suite à ça faire automatiser une request sur LinkedIn par exemple, sur tous ceux qui répondent à ce critère là et qui mettent sur leur profil en stealth mode working on something scrapping interesting. Tools voilà, c'est ça, exactement. Et du coup, aller les identifier très tôt pour investir dans ces boîtes là mais ça répond pas forcément à ta question. Pour revenir à ta question qui disait qu'est-ce qu'on fait, donc il y a ce premier aspect, c'est devenir assez tôt dans la boîte d'une yes. start-up. Être toujours de bonne foi, ça c'est hyper important. J'ai rencontré beaucoup de start-up, par exemple au Vivatech, il y a une semaine, il y avait une start-up hyper intéressante tunisienne qui avait des contrats annuels à, il me semble, 300 000 euros, mm-hmm. avec un acteur clé, vraiment c'est un corporate clé dans l'écosystème. Et la personne venait de se lancer il y a 3 mois, et en fait il y a un fonds qui a négocié le deal à 8 millions d'euros. Okay. Pardon, 800 000 euros, excuse-moi. Okay. À 800 000 euros. Genre valorisation ou la valo, le ticket. En equity, 800 000 euros, okay. en valo, tu vois. Mmh. Je lui dis, d'où tu fais ça, en fait? T'as une traction assez intéressante, t'as un produit hyper canon. Tu vois, alors que j'aurais pu lui dire, ah tiens, moi aussi ça m'intéresse, je veux bien être dans ton tour de table avec cette valo. Ben non. Mais en fait, non, parce que tu te dis que si l'entrepreneur... à un moment donné de sa journée, il se fait trop diluer, il n'est pas content par les clauses qu'il a négociées. En fait, il tu abandonne. Perds juste, tu détruis de la valeur en fait. Tu détruis de la valeur. Donc, moi, je le dis souvent à ma partenaire, c'est que à partir du moment où on investit dans une boîte, et je sais que c'est pas partagé forcément tous les investisseurs, et je risque de c'est un point sur lequel tout le monde n'est pas d'accord. C'est qu'une fois que j'investis dans une boîte, c'est l'entrepreneur et moi contre le reste du monde, tu vois. Parce que à partir du moment où tu es dans la boîte, en fait, tu es censé créer la valeur, et tout ce qui peut se passer pendant the journey of this company est déterminant par rapport à ce que toi, tu peux faire comme multiple ou à l'histoire que tu peux raconter, ouais. Tu vois. Donc, c'est toi et moi contre le reste du monde. Et donc, bon, après, quand il y a des sujets de follow-on ou quand on doit décider si on veut repartir ou pas, je dis souvent à Slema, écoute, c'est à toi de regarder le sujet, parce que moi, je suis un peu trop on board, okay. Tu vois. Donc, ouais, j'accepte ça parce que je me dis que c'est normal, que c'est... en fait. Tu t'attaches forcément, mais au moins, tu donnes tout ce que tu peux donner à la boîte, en fait.
Okay. Donc ça, c'est, voilà, c'est hyper important pour moi. Ouais. Donc la bienveillance à fond. C'est vraiment c'est le point pour moi qui est super important, c'est de la bienveillance, mais pas de la bienveillance maquillée. C'est de la bienveillance réelle, tu vois. Des feedbacks aussi. Ah oui, oui. Alors ça, par contre, feedback, il n'y a pas tout le monde qui veut l'entendre. Tu je vois. Sais. Moi, au début... Ouais, pardon, vas-y. Genre, je suis totalement d'accord, il n'y a pas tout le monde qui veut l'entendre. Ouais. Mais c'est, je pense que c'est le plus dur aussi, dans un métier d'investir, le fait de saying no, tu vois. Genre, en mode... il y a pas tout le monde qui veut l'entendre, mais des fois faut le dire avec la bienveillance. C'est ça. Et faut genre tu vois c'est le job, ça fait partie du job et donc du coup faut même si la personne devant toi elle le comprend pas ou elle commence à se justifier ou j'en sais rien, bah faut juste lui dire. En fait. Non en fait au début je le faisais comme ce que tu dis, c'est-à-dire je dis voilà on est voilà pourquoi les raisons pour lesquelles on décide de pas continuer à échanger. Et puis, à un moment donné, en fait, tu te rends compte qu'il y a des façons de dire les choses, déjà, hein. Mm-hmm. Prendre en compte la susceptibilité de la personne. Il ne faut pas que ce soit destructif pour la personne. Et donc, ce que je commence à faire quand je prends le temps de faire une due deal, tu vois, que je mobilise quand même l'entrepreneur, j'envoie un email en disant, écoute, c'est un no-go. Je suis disponible, en fait, si tu veux qu'on échange, pour que je t'explique pourquoi c'est un no-go, tu vois. Et donc, parfois, j'ai eu des personnes qui n'ont juste pas répondu à l'email. Ouais. Donc, fine. Donc, ça, c'est des personnes qui n'auraient clairement pas entendu mes arguments, tu vois. Donc, tu préqualifies la susceptibilité de la personne. Ah, mais bien sûr, c'est hyper important. Ouais. Parce que tu ne peux pas savoir ce que ça peut faire à une personne, c'est tu vois. C'est totalement d'accord. Et tu imagines dans des fois, années... ça peut être des calls assez gênants. Non, en fait, non. Genre, en fait, il faut apprendre à être à l'aise avec ça. Pas gênant, mais dans le sens où la personne devant toi, elle commence à se braquer ou j'en sais rien. Et donc, du coup, c'est... Là, c'est sûr que tu te retrouveras toujours face à des personnes qui vont se mettre sur la défensive, oui. Tu vois. Ça, ouais. Et ça, c'est complètement normal. Mais il y a une différence entre une personne qui va être sur la défensive, mais qui après va se dire « Ah oui, elle a quand même raison ». Et d'ailleurs, il y a des sujets, tu vois, qu'on a regardés il y a un an, qui reviennent nous voir quand ils ont avancé. Et c'est comme ça, tu vois, la vie continue. Ce n'était pas un no-go éternel, c'est un no-go pour telle et telle raison. Et si tu avances entre-temps, ben, on sera content d'échanger, exactement, tu vois. Et après, tu as d'autres sujets qui sont plus early. Là, j'ai un exemple en tête. Par exemple, la semaine dernière, j'ai reçu un email de la part d'un entrepreneur qui était basé au Ghana. Okay. Et en fait, il voulait. C'était dans le secteur du VTC. Et en fait, l'entrepreneur m'avait écrit et je lui ai dit c'est déjà un secteur assez compétitif, pourquoi est-ce que tu penses que tu seras. Parce qu'il n'a pas encore lancé le projet, tu vois, il était sur le coup de le lancer. Donc pourquoi est-ce que tu penses que tu vas le challenger, enfin, y répondre. Et donc, il me fait un long email et tout. Et je lui ai dit donc il y avait le Vivatech, il y avait pas mal de choses. Et hier, j'ai répondu à son email, parce que je me dis, il a quand même pris le temps d'écrire et de justifier. Donc je réponds, mais avant de répondre, je regarde sur son LinkedIn. Je regarde sur son LinkedIn et je vois, il a fait un post, il a dit, j'ai contacté 100 VC. Parce qu'apparemment, quand tu contactes 100 VC, il y en a au moins un qui va te répondre statistiquement. Ouais. Mais je n'ai pas encore eu de réponse. Tu vois, donc je dis, non, il faut que je lui écrive parce que sinon, il doit certainement être dans une phase où il doit se dire, c'est perdu, en fait, je ne peux rien faire. C'est ça. Et donc je lui ai écrit un email, je lui ai dit, écoute, c'est un projet risqué dans un pays où ça n'a pas encore forcément été... Il n'y a pas encore eu de... Il y a zéro preuve, tu vois, que ça peut marcher. Donc, en tant qu'investisseur, quel que soit le VC avec lequel tu vas parler, tant que tu n'as pas décaissé toi-même de l'argent dans ce projet pour montrer que tu y crois, que tu n'as pas fait de MVP pour au moins monter un produit et que tu n'as pas recruté tes 20 premiers transporteurs, personne ne va te parler. Ouais. Donc, une fois que tu auras fait ça, viens et on échange et je suis disponible quand tu veux, si tu veux, en fait, challenger chaque étape de ton projet, tu vois. Et là, il me répond, il me dit, merci beaucoup, parce que je commençais à perdre espoir dans le projet. On continue à parler sur WhatsApp, tu vois. Donc, c'est vraiment de la bienveillance et c'est beaucoup d'humain. C'est que de l'humain. C'est vraiment que de l'humain. Mm-hmm. C'est que de l'humain. Donc, parmi les qualités personnelles à avoir en tant qu'investisseur, c'est humain first. En tant que fonds d'investissement. En train de parler vraiment en entité, qui est le côté éthique ou stratégique. Stratégique, charmant, au côté éthique, c'est le côté humain. Ouais, c'est hyper important. Très complet. Ouais. Et un dernier point, c'est que, en fait, tu sais, on fait tous des études en école, soit d'ingé, soit de business pour finir investisseur. Ouais, c'est the hat, en fait, et c'est justement pouvoir écouter et lire la personne qui est en face de toi. Tu vois, c'est vraiment
lire l'entrepreneur parce que tu investis dans un entrepreneur et pas dans une boîte. Surtout en early stage. Et il faut que, et souvent, tu sais, quand la boîte se porte mal et que tu vois comment l'entrepreneur se bat, tu te dis, en fait, je comprends pourquoi j'ai investi dans cette boîte. C'est vraiment la personne dans laquelle tu investis. Et c'est que ça, en fait, qui reviendra à chaque fois qu'il y a des problèmes. Parce qu'il y en a beaucoup hein, quand tu investis dans une start-up, ouais. Évidemment, en tant que fonds de VC, ou même fonds d'investissement globalement. C'est chaque jour, tu peux recevoir des messages de la part de l'une de tes start-up en disant j'ai un problème. On en parlait d'ailleurs avec notre analyste la semaine dernière. Je lui disais, en fait, je lui parlais d'une boîte et je lui dis, écoute, il y a cet événement-là qui s'est passé. Il me dit, mais en fait, à chaque fois, tu as l'impression que telle boîte se porte bien, que c'est bon, elle est en train de grossir de façon incroyable. Et là, il y a un problème qui se passe et ça a un impact sur ton mood, tu vois. Et en fait, c'est en continu ça, tu vois. Il y a tout le temps des challenges et tu auras forcément des downs. Et c'est pendant ces downs-là qu'il faut être là pour ton entrepreneur. Faut pas lui tourner le dos. Il faut être là pour lui, il faut lui dire comment je peux t'aider. Qu'est-ce que tu as besoin, de quoi tu as besoin comme ressources, tu vois, et tu te mobilises pour l'entrepreneur et tu fais rien d'autre pendant ce temps. En tout cas, c'est ma conviction. Et du coup, pour pouvoir le faire, il faut que toi-même, tu sois bien avec toi-même. Donc, en fait, il faut que l'investisseur prenne soin de lui, tu vois, qu'il soit toujours qu'il ait la capacité de toujours être disponible pour ses boîtes et qu'il prenne soin de lui aussi pour pouvoir bien identifier, en fait, les bons entrepreneurs et investir en eux. Donc voilà. C'est vraiment, ça commence d'abord par soi. Non, je suis d'accord. Faut avoir cette force de lire entre les lignes. Mais chacun son truc. C'est ça, je sais pas, est-ce que tout le monde a ce don, mais ouais. Est-ce que tout le monde peut être un mentaliste? Dernière question et ensuite on va pas prendre énormément de temps. T'as des investissements à faire, t'as des entrepreneurs à accompagner. Il est 18h, il y a rien que la on commence la deuxième journée. En plus, c'est la fête de la musique aujourd'hui. Oui, c'est vrai, c'est aujourd'hui, mince. Tu chantes Richa ou là tu chantes pas? Je chante, mais je le ferai pas maintenant. Okay, mais je chante. Non, tu le feras pas maintenant, mais on le fera peut-être ce soir. On se retrouvera peut-être quelque part. Mais c'est des rappeurs marocains. Ok. Et voilà, ils sont dans les mains. Ça nous rend fiers. Chez Delina Venture Capital, vous prenez soin. Ciao, moi, il prend soin du côté artistique. C'est ça le culture. Dernière question pour conclure. Et je vais essayer cette fois de bien la structurer, la question. Non, t'as bien structuré. Ça va, j'ai bien structuré. Merci beaucoup. Genre, tu vois, là, il y a le côté humain. Il y a le côté humain d'investisseur. T'arrêtes pas de booster. Là, j'ai envie de tout péter. Il est d'origine chèque, Morgan Mavericks. Tu vois, genre, pour revenir au début, au commencement, je dirais, de Calis, de toi, même après, genre, tu vois, on revient un peu au côté personnel, etc., pour conclure vraiment sur cette note-là. Toi, tu as dit, tu vois, tu n'avais pas nécessairement fait du VC auparavant. C'est un sujet genre qui vient, genre, même moi en tant qu'étudiant, tu vois, moi et Anwar, et il y a énormément de personnes qui nous écoutent aujourd'hui, tu vois, qui ont envie de travailler dans le VC, etc. Des fois c'est dur, c'est un écosystème qui est assez fermé, comme finalement il y a énormément d'humains, bah, du coup faut être genre hyper genre moving forward to people, etc., assez sociable pour essayer d'apprendre à connaître les gens et montrer ton intérêt sur certains sujets et en début d'expertise, parce qu'on est en reste junior, donc du coup, etc. Toi, à partir de quel moment tu t'es dit j'ai eu un challenge, du coup avec ta co-founding partner Selma qu'on salue, j'ai eu un challenge, j'ai devant moi du coup la possibilité de co-fonder un fonds, de réfléchir à une thèse d'un fonds, alors que bah, j'ai 25 ans finalement, tu vois. À quel moment tu t'es dit je vais prendre ce challenge là, je me sens capable de le faire, et en fait genre faut dans la vie faut être opportuniste et faut attaquer quand il faut attaquer, ben il faut attaquer et faut attaquer avec genre the guts, comme on dit, tu vois. Exactement. Bah en fait c'est une bonne question, hein, mais
La question que je me suis posée, c'est en fait, comme tu as pu le remarquer, c'est que je te disais pendant que je faisais mes études, j'avais créé une cellule à l'intérieur de mon association, donc c'était une boîte de conseil pour les ONG. Donc je faisais ça en parallèle. J'avais aussi la start-up de tutoring et j'avais les missions de conseil en plus du sujet Calis qui était en train d'émerger. Ouais. Et en fait, j'avais parlé un jour avec l'un de mes mentors qui me disait en fait, le fait que tu fasses plusieurs choses veut seulement dire que tu n'as pas encore trouvé ce gros projet qui mérite en fait d'avoir tout ton temps et toute ton attention. Et donc au moment où Calis a vu le jour et où je me suis rendu compte que ça répondait à tout ce dont j'avais besoin à ce moment-là, c'est-à-dire répondre à mon besoin de curiosité, d'apprentissage constant, d'être toujours avec des entrepreneurs, d'être stimulée par l'aventure de l'entrepreneuriat, ben, je me suis rendu compte que c'était ça que je voulais faire, tu vois. Et que donc c'était ça le challenge qui méritait en tout cas que je m'y consacre en fait à 100%. Ouais. Donc c'est plus comme ça que je me suis retrouvée là à construire à co-construire ce fond et puis voilà, donc je me suis jamais réellement posé la question de est-ce que je peux le faire, tu vois. C'était plus est-ce que c'est ça mon truc, tu vois, est-ce que c'est ça le the thing, tu vois, qui mériterait. Et que pour toi, je, ça te suffisait assez pour te motiver à sauter tous les obstacles, parce que j'imagine qu'il y en a pas mal. Oui non, c'est sûr, mais tu vois, là c'est vraiment un sujet où je peux tout mettre à l'intérieur, tu vois. Mettre tout ce qui me passionne à l'intérieur. Quand je dis tout mettre, c'est mettre vraiment tout ce qui me passionne à l'intérieur. Donner tout mon temps, toute mon énergie. Je me pose vraiment pas la question. Tu vois, Mais juste pour rebondir sur un dernier point. Oui, tu peux être passionné par ça maintenant et après, il y a autre chose qui vient. Peut-être. En tout cas, aujourd'hui, il y a l'étincelle. Ah, tu vois, tu parlais tout à l'heure de l'étincelle. Ça, de mon côté, je ne sais pas si il y a un chichouillement. Il y a l'étincelle. I believe in that. C'est ma marra qui est passionné. Comme investisseur, peut-être j'aurais une idée de start-up. Je me lancerai. Non, écoute, j'ai eu entre-temps l'occasion ou l'opportunité de rejoindre des aventures entrepreneuriales, justement, quand j'étais dans le DC. Et en fait, je me suis rendu compte que j'allais me retrouver dans cette situation où après, en fait, un an et demi, deux ans, j'allais me dire « what's next ?» tu vois. Alors que dans le VC, non. Dans le VC, tu as tellement cette... À chaque fois, tu as ce changement en fait, de mission, surtout quand tu es partenaire dans un petit fonds, en fait, tu es amené à tout faire. Donc, tu ne peux même pas te... Enfin, pour le moment, je pense que j'en ai encore pour... après, je sais pas, peut-être que j'écouterai ce podcast dans 5-10 ans et je me dirai, ah tiens, never say never, tu vois. Enfin, t'as fini par faire autre chose. Mais je pense que c'est aussi the journey, tu vois, that you're having et avec qui tu la partages. Tu vois, aujourd'hui, donc, il s'agit plus que de moi, tu vois. Il s'agit de a purpose that is bigger than me, tu vois, donc il s'agit de moi, il s'agit des entrepreneurs dans lesquels j'ai investi, à qui, enfin, qui ont des attentes, tu vois, que je ne dois pas lâcher. Il s'agit de ma partenaire qui m'a fait confiance et qui m'a intégré dans son aventure, tu vois. Donc t'es plus juste toi et toi-même, tu vois. Tu ne peux pas juste demain te dire ah tiens, j'ai envie d'aller aux Caraïbes monter une boîte de scarabée, tu vois. C'est vraiment très bon business model. C'est pas mal. Donc c'est plus cette aventure humaine. Et quand tu te rends compte que dans la vie c'est pas facile de trouver les personnes avec lesquelles tu as envie de travailler, et ben tu essayes de bien prendre soin de celles avec lesquelles tu t'entends très bien, tu vois. Donc c'est vraiment très difficile de trouver des personnes avec qui tu as envie de partager une aventure. Et donc quand tu en trouves, tu en prends soin en fait. Après, je pense que tu as dit que tu fais énormément de choses en tant que VC et partenaire de Calis, mais faut être patient aussi. Tu vois, le VC, tu vois, il y a plein d'avantages. Et moi, genre, j'adore ça, tu vois. Genre, je sais que j'ai envie d'évoluer là-dessus plus tard. Mais... Appel à tous les fonds de VC qui recrutent. Oh, la voix, elle était excellente. Allô ? Oulakin, Allah, tchawer. Allah, tchawer. Wakhaï, khadirou li andad. Aslan, on a bagay nkhdem f Calis. On a bagay nkhdem f Tchawer. Ah, c'est bien, trop bien. Bah, génial. Allez. On inbound, tu vois. Khadman qiya, ghamchi f halaj, chno, on a nkhdem f Calis. Non, mais en vrai, finalement, genre, il y a le seul, genre, c'est pas un inconvénient, c'est juste une force à avoir, c'est le fait d'être patient, parce que tu vois pas le fruit de tes actions, tu vois. Genre, le fait d'accompagner, par exemple, t'as investi sur Wigoo, sur Logijoo. Logijoo, ouais,
Ouais, bah tu vois, ça n'a pas l'air. Ça, c'est toute une histoire. Ouais. Ouais. Les 4 startups, tu as investi aujourd'hui, mais finalement, le fruit de toi, ton investissement et même ton investissement humain, genre sur le fait d'accompagner opérationnellement, tu le verras que dans 5-6 ans. Non, je suis pas d'accord avec toi. T'es pas d'accord, tu penses que tu le vois aujourd'hui? Bah, en fait, tu le vois déjà, tu le vois au quotidien. Quand t'as l'une des boîtes qui a un problème urgent sur un sujet, en fait, quand tu rentres à l'intérieur, tu dis « Ok, les amis, on a quoi devant nous et comment on peut faire pour dépasser les choses ?» Bah, tu peux clairement suivre la valeur ajoutée. Tu vois, quand tu as une boîte qui a besoin de lever et que tu accompagnes dans le review en fait, du pitch deck, du BP, mise à jour, ce qui va avec. Et si elle lève, bah, tu te dis « Ok, ça, c'est un milestone qui a été atteint. » Tu vois. Ouais. Autant, je suis d'accord avec toi sur la partie exit. Et même pour l'exit, c'est des choses qui se préparent avant, tu vois. C'est au moment où tu investis, tu commences déjà à trouver, à chercher les partenaires stratégiques potentiellement intéressés par l'acquisition. Tu vois, tu te rapproches de ces acteurs, tu leur partages souvent les évolutions, les expansions, tu vois. Donc c'est tout un travail que tu... Il y a des choses que tu vois sur le long terme, mais il y a des choses que tu vois concrètement sur le très court terme, tu vois. C'est un débat que j'ai eu avec pas mal de personnes. Ouais. Et finalement, peut-être c'est la spécificité de Cadis finalement la partie très opérationnelle. Oui. Alors que peut-être d'autres fonds VC classiques, c'est vraiment sourcing de deal flow, investir et attendre. Ça aurait été beaucoup plus simple pour moi de le faire comme ça, mais c'est. Tu trouves? Parce que c'est pas amusant finalement. Oui, c'est exactement ça. Genre, mais ça n'aurait pas été moi. Comme tu as dit, la vision. Depuis le début, c'était déjà la cause, déjà pour améliorer la place de la femme, j'ai l'impression, dans la société. Depuis le début, il y avait une cause. Oui, il y avait une cause, c'est ça. Ouais. Et c'est magique. C'est vrai. Bon. Ok. Pour conclure, on t'a préparé un petit jeu. Ça, c'était pas. Interesting. Ouais, tu m'as pas débrouillé. Qui nous a des forts physiques à délai d'abord. Oula. Tu vas faire des pompes. Petit oula. En plus, la clim, elle marche pas, donc du coup. Ouais, j'ai senti, il fait bien chaud. Non, t'inquiète. Je rigole. Tu m'avais gâté avec une bouteille d'eau, ça va. Ça va, tu vois. Ça, c'est on est professionnel. Oui, très professionnel. On a des petites questions à te poser. C'est des questions genre yes or no questions ou un truc entre deux choix, tu vois. L'objectif, c'est de répondre le plus rapidement possible. Okay. À chaque fois, je le dis, à chaque fois, cette partie-là, elle dure 3, 4, 5 minutes. Ou donc, du coup, l'entrepreneur, il prend son temps. Mais écoute, marhaba, khoudi wortek, comme on dit. Donc, c'est que oui et non. Oui et non, ou deux choix. Genre, tu dois choisir entre deux trucs. D'accord. Donc, okay. Fais attention à toi. Okay. Des fois, il y a des questions pièges. Hein. Let's go. Oui. Si maintenant, tu avais le choix de tout refaire à zéro. Aurais-tu voulu bosser dans un fonds ailleurs que le Maroc, quelque part dans le monde? Non. Je dire pourquoi ou ça va? Non, ça va alors. J'ai... Je peux juste dire oui ou non. Jitex ou la Vivatech? Jitex. Ok. Khedma fil Maghreb ou la Khedma France? Statut en France et Khedma au Maroc. Ok. C'est bien sûr, c'est une réponse intelligente. Franche. Soit elle Ouigo ou la Logido? Les deux, tu peux pas. C'est comme une maman. Attends, tu me brises le cœur même en posant la question. Pour info, Ouigo et Logido, c'est deux startups dans le portfolio de Cadis Ventures. Juste au cas où. Charles Zouena, Ouigo, le bâtiment de Tobisette. Fais mobilité intelligente, fais un monstre de Tobisette, le bâtiment de Dome. C'est vrai. Ou Marofèche bizarre. Non, c'est juste que. Voilà, ils viennent d'intégrer. Ils ont commencé à Safi et Nador. Ils sont opérationnels. Ah ouais. Donc, les petites villes. Là, bientôt lancement dans les plus grandes villes. Ok. Non, mais j'ai essayé sur Casa, ça a marché. Ah, ok. Ouais. Bah, alors, c'est super. Je crois. J'écris c'est super. Non, en fait, mais tu peux pas encore payer. Alors, le paiement, tu peux le faire qu'à Nador et à Safi. Et Ouigo Pro fonctionne aujourd'hui? Ouigo Pro, en fait, on a changé le business model. Avant, on était sur du B2B2C. Ouais. Et là, on est passé entièrement sur du B2B, sur de la gestion de transport de personnel. Big up à Saad. Voilà, big up à Saad et Mor aussi. Il y a toute l'équipe Ouigo. Yes, c'est important de souligner tout le monde. Yes, moi, j'ai eu l'occasion de parler juste à Saad. C'est toi, je connaissais tout le monde. Ok. Venture Capital ou Private Equity? Venture Capital. عندي سؤال اخر مالح اللي كطيحوا فيه ديما الاسئله ارتيزانا و موبيليتي انتيليجونت لان besoin de l'autre. OK. Crois-tu que l'écosystème start-up au Maroc évoluera de manière significative dans les années à venir? J'ai la conviction que oui. Il y a déjà que ça a beaucoup évolué sur les 3 dernières années
Et je pense qu'il y a... Aujourd'hui, on commence à avoir des champions nationaux sur des sujets spécifiques. Ouais. Et il faut juste que l'écosystème évolue dans le sens de en fait, l'évolution naturelle de l'écosystème en supportant les acteurs principaux. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives qui sont en train de se mettre en place. Le fonds Mohamed VI qui va encore permettre le financement d'autres c'est start-up. C'est le fonds de l'MEDA, non ? Non, c'est des choses différentes. Non, c'est des choses différentes. OK. Mais effectivement, il y a le fonds MEDA qui vient d'arriver, qui a été closé il y a quelques mois et qui fera aussi beaucoup de bien à l'écosystème, surtout sur des sujets de série A. Ouais. Donc non, moi je pense vraiment qu'on est amené à grossir avec des startups hyper intéressantes qui sont en train d'émerger. Est-ce que ta culture marocaine t'aide à apporter des perspectives uniques dans ta vision d'investisseuse ? Oui, le côté humain. Tu vois, c'est le côté humain qui a été nourri en moi depuis que je suis petite et qui m'aide aujourd'hui dans toutes mes relations, tu vois. Donc, je pense que c'est mon éducation qui a fait que je suis ce que je suis, tu vois, en termes d'authenticité, d'humain. Et c'est des choses qui sont hyper importantes. Tu considères que l'échec, c'est une opportunité d'apprentissage ou plutôt un obstacle J'adore l'échec. Et en fait, j'adore les moments où quand j'échoue, que je me sens mal, je me dis en fait, it's for the best, tu vois. Mm-hmm. Moi, j'ai déjà vécu un échec et c'est franchement le truc qui m'a fait le plus de bien dans ma vie. Ouais. Je te jure, avec du recul maintenant, franchement, je suis contente d'avoir vécu cet échec. Quand t'es par terre, there's only one way up. Hein. Ah oui, ouais, c'est sûr. Tu peux pas tomber plus bas. Ouais. Tu peux pas tomber plus bas. Moi, j'ai pour la petite anecdote de l'échec. Mon premier échec, c'était quand j'ai fait 2 ans de prépa et j'étais en classe étoile. Le foufou ou le couscous? C'est quoi le foufou? Tu connais pas le foufou? Ah, le foufou, c'est... Ouais, d'accord, ok. Non, c'est... Saka. C'est bon. Du coup, est-ce que tu as bien kiffé de discuter avec nous? Franchement, c'est super agréable. L'interview était au niveau? Au niveau, franchement. Intellectuel. Après, c'est comment qui parlait. Donc, si je dis des choses et que je me remercie, c'est comme si je lui disais je suis. On a essayé aussi de guider. Tu vois. On voulait pas faire une bibliographie, on voulait plus avoir ton avis sur des sujets. Vous avez raison, parce que ça aurait été tellement ennuyeux d'entendre ma bibliographie pendant une heure. Mais on voulait insister aussi sur la problématique autour de la femme dans le monde de l'investissement et tout. C'est pas grave. Mais en tout cas, merci beaucoup pour l'invitation et franchement, pour l'investissement dans l'espace, c'est assez calme. Tout pour le Maroc. Oui, d'accord, le paiement mensuel. Exactement. Le chèque, il va arriver soon. écoutez, merci à vous, les auditeurs. Merci à la Larija comme on a dit et rendez-vous prochain épisode, genre revenir on prend un taco on a drôle ou tu le mot et c'est ça le but. Donc long life Moroccan Mavericks, you know. Marhaba et elf marhaba, au revoir.